On dit bonjour. On dit bonjour. Dès que le lapin se réveille, il pousse la tête dehors et dit Bonjour soleil, bonjour mon arbre préféré, vous avez bien dormi Le soleil et l'arbre ne répondent pas. C'est normal, le soleil et l'arbre ne parlent pas. Ensuite, le lapin part clapoter dans l'eau. Et dit Bonjour, oh. eau. L'eau ne répond pas. Évidemment, l'eau ne parle pas. Après, lapin sèche ses pattes au vent qui souffle et dit Bonjour, vent qui souffle. Bien sûr, le vent ne répond pas car le vent ne parle pas. Sur la route, lapin joue avec une petite feuille qui voltige et dit Bonjour, petite feuille qui voltige, où vas-tu La petite feuille ne répond pas parce que les feuilles ne parlent pas. Soudain, Lapin croise ours et coccinelle et dit Bonjour, ours et coccinelle. Ours et coccinelle ne répondent pas. C'est normal Les ours et les coccinelles ne parlent pas Mais ce n'est pas possible, ça, pense Lapin. Eh oh, j'ai dit bonjour, crie Lapin. Mais ours et coccinelle sont trop endormis pour dire bonjour. Euh, bonjour, dit Lapin à Renard et son petit. Mais Renard et son petit sont bien trop pressés pour dire bonjour. Bonjour Poulette, bonjour Poussin, dit Lapin. Mais Poulette et ses poussins ne le voient pas. Ah, ça, c'est pas possible du tout, grogne Lapin. Eh hey, oh Le matin, on dit bonjour Oh oui, bonjour Lapin Le soir, Lapin rentre chez lui. Bonsoir, lune sourit Lapin. La lune ne répond pas, c'est normal. La lune ne parle pas, mais doucement, dans le silence de la nuit, Ours coccinelle, renard et son petit, poulette et ses poussins, murmure. Bonsoir lapin. Et ça, c'est normal. Et c'est la fin de l'histoire.